Allô, ici c'est Joseph Edgar et vous regardez Arrête ton char. C'est le printemps, 2013, malgré le soleil, encore la neige. J'ai enfilé mes vieux souliers que la slush d'hiver a tout ruiné. Juste pour descendre en bas de la rue, sur Rivel, Vélo, Parc Monson, au coin là où le boss arrête en souhaitant que vous seriez là. Mais vous n'y êtes pas, nous en sommes rendus là. Non, vous n'y êtes pas, alors voilà. Je suis originaire de l'Acadie, qui est une région francophone sur la côte atlantique du Canada. Je trouve un bon public, celui qui parle le moins sale, celui qui est moins rempli de shit. Je m'y étends, je regarde le ciel, plusieurs heures se sont écoulées. Maintenant je regarde les étoiles, j'en ai vu quatre de suite filer. J'étais invité par les festivals Transylvania, je pense suite à un spectacle ou une vitrine qu'on avait fait à Bruxelles au mois de février. Mais il faut dire que ça fait quand même plusieurs années que je reviens en Europe, soit en France ou en Suisse, surtout en France et en Suisse. Et puis là, ça continue tranquillement. On essaie de se placer sur l'Europe et voir. Mais avant que je déménage au Québec, j'avais beaucoup plus joué en Europe que j'avais joué au Québec. Alors la prochaine chanson, c'est une chanson qui s'appelle Braise d'été. C'est une chanson qui parle de se donner des câlins au bord de la mer. Ouais. Ça peut être au bord d'une rivière ou au bord de des cascades. L'important, c'est que l'eau est source d'amour. Puis des fois, il y a des amours qui durent seulement quelques jours, mais ça veut pas dire qu'ils sont moins importants. Donc, si ça parle de ça. C'était les dernières braises d'été. Ces moments éphémères qu'on pourra jamais répéter. Mais comme les vagues qui splashent nos faces, ce sont pas tous nos pas qui laisseront des traces. Mais c'est ok, je m'en fais pas, je laisse les souvenirs à mieux que ce qui se passait vraiment là. Mais c'est ok, que c'est comme ça. Nos corps seront du tough, du moins c'est ce qu'on se racontera. L'arrogance qu'on voit partout tout de suite là, je trouve qu'il y a beaucoup de politiciens, des leaders mondiaux qui sont très arrogants, qui se mettent pas les là, il y a l'expression de se mettre dans les souliers de l'autre, on a espoir que ça va changer. On est pourtant, ça fait des années qu'il y a des gens qui contestent puis qui ont des messages positifs et tout ça. Et puis là, on dirait qu'on est rendu dans une tendance. Puis je sais pas si c'est à cause de la présence de Facebook, les gens ils lisent juste de travers les actualités et tout ça. Mais là, on est de retour. On dirait qu'on a reculé 50 ans en arrière. Les gens, ils jugent. Les gens, ils se laissent haïr avant d'aimer. Puis c'est un peu comme la peste. Ça continue. Et j'en viens pas. Comme c'est souvent le cas, voici l'histoire d'un gars et aussi d'une fille qui s'enlaçait la nuit. Loin des mauvais regards, sur le siège arrière d'un char, parqué sur la colline, se trouvaient Jane et Jim. Ils disaient qu'ils s'aimaient d'un amour éternel, qu'à chacun de leurs baisers naissait une autre étoile dans le ciel. Ils se faisaient un plan pour s'évader de tout, mais comme la vie est cruelle, il y avait un catch-22. Ils se faisaient un plan pour s'évader de tout, mais comme la vie est cruelle, il y avait un catch-22. Qui
travaille pour peu de sous quand même, hein, tu sais, pour faire que le patron, lui, il y a beaucoup de sous, tu sais. Et donc, je comprends que les gens, ils sont frustrés, mais là, c'est ça, là, maintenant, on est en train de. Il y a des politiciens qui nous apportent à pointer le doigt au mauvais endroit pour pourquoi il y a des gens qui ont moins de sous, qui n'ont pas d'eau potable, tu sais. Si on pense aux Premières Nations au Canada, il y a plein de réserves qui n'ont même pas d'eau potable, tu sais, là. Puis on est au Canada, là, c'est comme l'un des pays qui a le plus d'eau potable au monde, tu sais. Donc, ouais, c'est. La balance, c'est pas très balancé tout de suite. Je suis jamais allé en Russie, mais j'ai déjà rencontré une Russe que je nommais l'espionne russe. Et voici notre histoire. Je vous invite d'aller sur YouTube, il y a un vidéoclip pour cette chanson-là. J'ai pas mal beaucoup de vues sur cette chanson-là, 5 millions de vues, mais je n'ai pas beaucoup de la France, ça fait que vous pouvez aller aider à augmenter l'affaire. On avait en tête de faire un vidéoclip plus officiel, tu sais, un vrai budget de vidéoclip et tout, mais finalement, ça n'a pas marché, donc je me suis dit, bon, ben, je vais quand même faire un petit truc, et je suis quelqu'un qui aime bien dessiner dans la vie, et donc j'ai tout simplement parti avec mon téléphone que j'ai mis sur un pied de guitare, je me filmais en dessinant pendant que la chanson jouait sur l'ordi, et donc c'était comme un genre de plan séquence avec juste un plan, et puis ça fait le clip, j'ai refait le dessin 8 fois parce que mon chat il arrêtait pas de sauter sur la page que je dessinais dessus, donc voilà, je recommence chaque fois, mais finalement j'ai eu une prise qui a bien marché, et puis j'ai tout simplement mis ça sur YouTube pour accompagner la chanson, et puis là, un vidéo qui a coûté 3$ peut-être est rendu à 5,3 millions de vues, quoi, comme ça. Ouais. Et qu'est-ce que c'est tu veux qu'il dit de plus? Il est tombé en amour avec une espionne russe. Une fille qui fumait des clopes dans le milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, il ne se souvient plus. Mais se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Se souvient de ses cheveux, se souvient de son odeur. Se souvient de la prendre et ainsi perdre son cœur. Ainsi perdre son cœur. Se souvient de la prendre, se souvient de l'odeur. Cherchait dans les ruelles, il cherchait dans les bars. Y a-tu quelqu'un qui a vu cacher mon cœur quelque part? Il déterrait les arbres, détruisait les gazons. Oui, il cherchait tout partout en dessous de chaque buisson. Quand il marchait sur le trottoir, les gens changeaient de côté pour pas voir le tout de son chest qu'il lui avait laissé. Mais moi je m'ai arrêté, j'ai regardé dedans. J'ai dit hey, tout est ok, couche-toi, laisse passer le temps. Laisse passer le temps. Tout est alright, man, couche-toi. Laisse passer le temps. Oui, je l'ai laissé là, mon amour, je pour guérir. Et en tout temps, trois mouvements, me suis mis à courir. Maintenant, c'est à mon tour de ne pas pouvoir dire plus. Je suis tombé en amour avec une espionne russe. C'est là dans l'amour pour guérir. Et en deux autres moments, je me suis mis à courir. Maintenant c'est à mon tour de ne pas pouvoir vivre plus. J'ai tombé en amour avec une espionne russe. 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 Et qu'est-ce que si tu veux qu'on dise au juste? On est tombé en amour encore une fois de plus. Avec une fille qui fumait des clopes dans le milieu de la nuit. Quelque part sur Mont-Royal, tout près de Saint-Denis. Peut-être sur une pleine lune, on ne se souvient plus. Mais on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. On se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Ouais, on se souvient de ses yeux perçants au coin de la rue. Tombé en amour avec une espionne russe. 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 Tombé en tout le monde ensemble. Tombé en amour avec une espionne russe. 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 Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus.
je peux pas dire plus. Merci beaucoup. Merci. Merci.